L'achat responsable, maillon essentiel dans la démarche de réduction de notre impact écologique. Il concerne au cabinet tous les biens, qu'ils soient spécifiques à l'activité médicale, produits de santé, dispositifs et équipements médicaux, ou moins spécifiques, aménagement de la salle d'attente, équipements numériques par exemple. La réflexion s'inscrit ici aussi dans une démarche de sobriété, moins et mieux. Parce que chaque bien que l'on a entre les mains pèse en moyenne 30 fois plus lourd sur l'environnement que son seul poids physique. De nombreuses ressources et d'énergie sont nécessaires sur l'ensemble de son cycle de vie. Fabrication, transport, élimination, ce poids caché et le sac à dos écologique. Donc, d'abord, moins. C'est observer ce qui est de l'ordre du futile versus ce dont on a véritablement besoin pour assurer accueil, confort du patient et du soignant, qualité des soins. Repérer les opportunités d'achat et de seconde main, d'achat collectif pour mutualiser les biens dans l'exercice pluriprofessionnel, par exemple. Moins, c'est aussi la réflexion sur l'usage unique. Quelle alternative au drap d'examen, par exemple? Est-il toujours utile? Mais aussi éviter les fausses bonnes idées. Les dispositifs médicaux à usage unique portent le logo du 2 barré, ce qui signifie qu'ils ne sont pas à utiliser deux fois. Mieux, c'est acheter le plus local possible. S'orienter vers des produits porteurs d'un label environnemental. Savoir repérer vrais engagements et allégations trompeuses, car tout ce qui est vert n'est pas green.